OK, cette stratégie s'appelle repli de la ligne. On utilise cette stratégie pour réfléchir à quelque chose et pour exprimer des opinions. Nous allons employer cette stratégie aujourd'hui pour parler des conflits et les façons de les gérer. Alors, comme vous voyez, il y a un ruban ici et vous allez former une ligne sur le ruban. Mais il faut le faire avec la personne plus grande ici, à ce côté, et la personne plus petite ici. Et sans parler, mettez-vous, s'il vous plaît, sur la ligne. La personne plus grande, la personne plus petite. Allez-y. OK. Comment ça va? OK, c'est très bien. Tout le monde est là. OK, maintenant, on va replier la ligne en deux, comme une feuille de papier. Ça veut dire qu'on va replier comme ça la ligne. Il faut se déplacer un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. Alors, s'il vous plaît, les personnes ici, il faut venir ici, comme ça. Et vous allez être en face d'une autre personne. OK? Voilà. Nous avons, comme vous savez, nous avons deux personnes ici, mais c'est comme une personne. OK, maintenant, s'il vous plaît, déplacez-vous un peu ici parce que il y a beaucoup de personnes. Voilà. OK, maintenant, nous avons maintenant deux lignes. Ça, c'est la ligne A et ça, c'est la ligne B. Alors, pour les personnes dans la ligne A, il faut s'attribuer un numéro. Alors, s'il vous plaît, commencez ici avec 1. Jusqu'à 7. Très bien. Alors, les personnes dans la ligne B, vous êtes le même numéro que la personne en face. OK? Ça va? OK. Maintenant, nous allons parler un peu. Et pour la première question, nous allons poser la question, quelle est la différence entre les conflits et la violence? On va commencer avec la personne A. Et la personne B, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter à la conversation. OK, allez-y, parlez à vos partenaires. OK, la classe, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est un peu difficile ce thème, hein? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner une réponse? Quelle est la différence entre le conflit et la violence? Oui. Le conflit est normal de la vie, mais la violence cause des dommages physiques et psychologiques. Exactement, c'est ça. Le conflit, c'est normal. Ce n'est pas violent, mais la violence est autre chose. Il y a du dommage. C'est très, très bien. OK, maintenant, on va continuer. Et pour changer de partenaire, nous allons faire comme ça. La ligne A, restez ici. Mais la partie B, la ligne B, vous allez vous déplacer deux personnes à droite, deux places à droite. Et la personne ici doit aller là-bas, n'est-ce pas? Alors, seulement la ligne B, s'il vous plaît, déplacez-vous deux places à droite. OK, allez-y, maintenant. Et c'est ça. Et vous allez aller là-bas. Et maintenant, vous avez un autre partenaire. Alors, comme vous voyez, on peut continuer à parler des choses ici avec une autre personne, mais nous allons terminer ici.